Adam a mis ses paroles à exécution en se rendant à Windenburg les jours qui ont suivi. Grâce à la maîtrise totale de ses pouvoirs, il était complètement capable de se mêler aux humains tout en cachant sa véritable nature. Adam se rendit dans les commerces de la ville, interrogea les habitants qu'il croisait, mais tous avaient le même discours. Les recherches ont été arrêtées sans la moindre piste. Sans se décourager pour autant, il poursuivit son enquête jusqu'à tomber sur une vieille dame aux airs sympathiques. La vieille dame énonça à Adam l'adresse de la maison d'enfance de Louvre en lui expliquant qu'après que l'affaire ait été classée sans suite, la maison fut laissée à l'abandon. Adam se rendit donc à l'adresse indiquée, explora les lieux sans trouver réellement de choses intéressantes, bien que l'atmosphère de cet endroit ne le laissait pas indifférent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour l'épisode 6 de notre let's play sur le pack Loup-Garou. Comme vous l'avez vu dans le machinima d'outro de l'épisode précédent, il y a les choses qui commencent un petit peu à se corser entre Adam et Rena. Pour ceux qui avaient pensé qu'ils finiraient peut-être par sortir ensemble, c'est plutôt mal parti. Clairement c'est plutôt mal parti étant donné que Rena est complètement jalouse de lui. Et dans le machinima d'intro de cet épisode, vous avez pu le constater, Adam est parti à Windenburg. Comme lui, il maîtrise parfaitement ses pouvoirs, eh bien, il n'a pas à s'inquiéter de se faire remarquer parmi les humains. Et il s'est renseigné auprès des habitants et il a rencontré une vieille dame qui lui a expliqué 2-3 petites choses concernant la mère de Louvre. Ce qu'on a appris du coup, c'est que la mère de Louvre a été attaquée et a été retrouvée avec 2 trous dans le cou. Nous, on sait très bien ce que c'est, mais les habitants, eux, ils sont très cartésiens. Donc du coup, ils ne pensent pas au fait que ce soit des vampires. La mère a été emmenée à l'hôpital pour se faire soigner et après ça, elle a directement été transférée en service psychiatrique. Parce que elle était plus du tout capable de... Enfin, elle avait complètement perdu la raison avec ce qui lui était arrivé, avec la disparition de sa fille. Et c'est tout ce qu'on sait. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Nous, du coup, on ne se retrouve pas au QG comme ça a été le cas pendant plusieurs épisodes. On se retrouve bel et bien dans la maison, dans le coin miteux, qui a été rénové en notre absence par le collectif de la Lune pour nous apporter un petit coin à nous. Ils sont vraiment très 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 sympas, le collectif de la Lune. Donc on se retrouve avec quelque chose de vivable, d'habitable. On a un petit coin salon ici, une salle de bain par ici, un petit coin bureau et peinture pour Louvre. Ici on a la cuisine, la salle à manger et là on a une chambre avec le lit de Louvre juste ici et le lit de Rena par ici. Et du coup on retrouve notre station de pétillerie juste ici, notre potager qui est parti complètement en steak et nos arbres à plasma fruits et le bar ici. Voilà, j'ai installé un petit bar avec le camion qui va avec pour la compétence mixologie de Rena. Alors je vais juste rajouter du coup une litière et une gamelle pour le petit Monty. Ici on a des champignons du coup
coup on va en garder deux dans notre inventaire. Mais ce qui est bien du coup c'est que là on va pouvoir mettre les trucs au frigo et tout, puisque là on est de retour chez nous. On a Rena qui est en furie, il va falloir qu'on essaye de l'apaiser. Mais du coup qu'est-ce qu'on a qui est en saison? On a les chocobés qui sont de saison, les avocatiers, et tout le reste c'est plus de saison en fait. Tout ce qui est là c'est plus de saison. Il va falloir qu'on réachète des plantes de saison. Mais là du coup la première chose à faire c'est d'essayer de faire en sorte que Rena se contrôle. J'aimerais vraiment enfin débloquer la transformation s'il vous plaît. J'ai toujours pas débloqué la transformation parce que du coup ça me bloque moi. Je peux pas faire ça et je suis vraiment bloquée en fait. Et du coup je progresse très difficilement dans mes rangs de loup-garou puisque je ne peux pas me transformer. Et du coup il y a Adam pour l'instant qui reste vivre avec nous. Voilà, parce qu'il a, besoin de rester avec Louve et même avec Rena finalement. Donc pour l'instant il reste avec nous puis il dormira sur un des deux canapés. C'est pas dramatique ça pour le coup. Je pense que je vais pouvoir préparer à manger pour tout le groupe là. Et toi ce serait bien que tu ailles un petit peu te changer les idées avec le miroir. Et le petit chat il est juste là. Le petit chat il a l'air d'avoir besoin d'attention aussi. Ah je pouvais faire ça directement ici. Acheter des graines de plasma fruits en cliquant avec elle, je savais pas. Fruits pour débutants et légumes pour débutants. Voilà on va acheter ça. Bon on va l'envoyer écrire un petit peu la petite Louve. Nous on va pas nécessairement manger maintenant. Mais au moins la cuisine sera faite et on aura ça de moins à faire. On va prendre celui-ci, écoutez, on va le lire, je pense pas que ça va servir à grand chose. Adam, ce serait bien qu'il aille faire des interactions de meute. D'ailleurs la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était devenus amis des crocs sauvages avec Louve. Je voulais le faire avec Rena, mais finalement on va pas le faire parce que comme en ce moment, entre Adam et Rena c'est compliqué... Ça me semblait pas logique en fait. Donc du coup on va pas faire ça pour l'instant avec Rena. Rena pour l'instant elle est vraiment dans son coin. Elle est même pas amie des crocs sauvages. D'habitude Peter n'avait pas de chance lorsqu'il creusait et fouillait la terre. Mais cette fois c'était différent. Il avait réussi à déterrer quelque chose qui avait l'air ancien et mystérieux. Mais il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il allait falloir déchiffrer des choses pour découvrir tous ses secrets. Je vais l'envoyer chasser. Nous quand on aura terminé de lire on ira manger. Et je vais essayer de retourner encore au tunnel. Parce que j'ai envie de m'améliorer quoi. Tout simplement, j'ai envie de m'améliorer mon rang de loup-garou quoi. Il pourrait y avoir d'autres choses à découvrir si Rena accorde une autre lecture à ce livre. On l'avait déjà dit ça, mais ça a jamais marché donc... Écoutez, on va le refaire, mais bon, sans grand espoir quoi. Il y a Jenna ici qui est juste là. Écoutez, on va en profiter, on va venir boire son sang. Obligée à boire une grande quantité de plasma. Elle est venue à nous, autant boire son sang. Peter leva la tête vers la lune et avec les silhouettes autour de lui dans la pénombre, poussa un hurlement de meute exubérant. Il faisait officiellement partie de la meute. J'espère que je vais y arriver. Oui, c'est bon, parfait. C'est juste parfait ça. C'est nickel. Méfiance envers les loups-garous. Quoi qu'on dise, un loup-garou est toujours un loup-garou. Il y aura toujours un malaise qui plane. Ce que j'aime bien avec Adam, par contre, c'est qu'il fait cette interaction-là avec le miroir de lui-même. C'est franchement top ça. Bon, ensuite, quand il aura terminé, il ira prendre des restes et nous aussi, on va aller manger puisque le bouquin... Voilà quoi. Partager des expériences de loup-garou. On va essayer de faire ça avec lui. Ce que je vais faire, la prochaine fois que Rena sera en furie, je vais pas faire maîtrise, enfin tenter de prendre le contrôle. Je vais juste peut-être annuler les actions quand elle voudra faire intimidation féroce, je sais pas. C'est ce que j'ai lu aussi, il y a marqué qu'il faut l'empêcher d'effrayer les gens. Donc peut-être qu'en faisant ça, ça fonctionnera. Franchement, j'en ai aucune idée en fait. J'en ai aucune idée. J'aime trop comme les deux, ils vont tout le temps discuter ensemble automatiquement. C'est trop adorable. Alors, sinon, moi j'aimerais bien retourner au tunnel encore une fois. Oui, je suis tenace avec ça. Je suis vraiment tenace. A débloqué un ouvrage sur les vampires. Quoi ? Découvert le secret des vampires. Apparemment, si un vampire ne veut pas boire du plasma d'un signe, il peut consommer des packs de plasma fruits. Mais attendez, Louve est en train de parler des vampires à Adam sans que je demande quoi que ce soit, c'est trop bien. L'entrée du bunker est en métal, mais lorsque Rena avance, le tunnel descend sous terre en sinuant et le chemin devient en terre de tous les côtés. Après quelques minutes de marche, Rena réalise que ce tunnel qui semble interminable doit mener à un endroit profondément enfoui sous Moonwood Mill. Je suis trop choquée de cette interaction qui se fait automatiquement en fait. C'est beaucoup trop chou. Rena semble arriver à une impasse avant de remarquer un petit passage sur le côté. Il est un petit peu étroit, mais Rena parvient à s'y glisser et trouve une série de trois tunnels différents. On va avancer vers les débris. Même si je l'ai déjà fait un milliard de fois, on est d'accord, hein. Mais avancer vers l'ail aussi, je l'ai déjà fait plein de fois. Donc là, il y a des rats, super, j'ai trouvé une omelette, elle est gâtée, je suppose. On va continuer, on ne va pas soulever la roue, on l'avait déjà fait la dernière fois. Suivre la mélodie magique, ouais, c'est gâté. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que le fait de se promener dans les tunnels n'augmente pas les rangs de loup-garou. Moi, je trouve ça dommage. Pomme de terre, ok, j'ai trouvé une pomme de terre, super. Bon, et si je fais trouver l'air frais ? Il se passe quoi? Ah, j'ai découvert un nouveau chemin. Ça, c'est cool, par contre. Allez au bunker du rez-de-chaussée. On va, du coup, directement se téléporter. Ça, c'est trop bien, par contre. Ça, c'est vraiment cool. Alors, par contre, j'ai trouvé des trucs bizarres. Est-ce que ça s'est gâté? Oui, ça s'est gâté. J'ai des fruits et légumes, là. C'est de quelle saison? Est-ce que j'ai des trucs d'été? Non, j'ai pas de trucs d'été. Par contre, du coup, il faut que j'ouvre ça. J'ai des poivrons que je peux venir planter. Et ça, c'est quoi? Racine de tarot.
Ouais, bon, on n'est pas du tout au bon endroit pour planter ça, mais why not? On va en planter un de bananier, ce sera suffisant. Hop, on va vendre ça. J'ai 3 plumes. Niveau 3 de la compétence jardinage. Bon, ça c'est top par contre. Ça c'est top, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il va faire une sieste de loup, il est trop mignon. Il est trop mignon, il a un canapé mais il dort par terre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que tu fais toi? Discuter avec Louvre. Ils vont tout le temps l'un vers l'autre, c'est fou. Après, j'aimerais bien que Adam devienne le leader de la meute du collectif de la Lune, ce serait trop bien. On va essayer de faire ça, de se débrouiller pour y arriver, mais bon, je sais pas si ça va réellement fonctionner. Alors ensuite, Reyna, tu vas aller griffer des trucs. Je sais pas si ça augmente la jauge, encore une fois, je me souviens pas. On l'avait fait la dernière fois, mais je crois que j'avais dit que ça avait pas l'air d'augmenter la jauge, donc je suis un petit peu triste. Faire une bataille d'oreiller avec Adam, je sais pas s'il y aura la place parce que la pièce est très petite. Réfléchir au remplissement du verre, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette interaction encore là? Oh mais c'est trop mignon! J'avais jamais fait l'interaction parce que la seule fois que j'avais voulu la tester, elle était buggée. Donc je suis trop contente que là ça fonctionne. Et si on allait faire un petit peu de pétillerie? Conquérante d'oreiller. Lou va remporter la victoire lors des grandes batailles d'oreiller avec des plaines de Lidford. Ok, lui il va faire dodo. Terrassé par des oreillers, il a perdu la bataille, hein, c'est so cute. Elle va commencer du coup à pétiller. Je vais lui faire faire des interactions de loup-garou. Hurlement sombre, se toiletter... et hurler. Grande triste louve. Même si Reyna se sent un peu plus calme, elle ne peut s'empêcher d'être triste après ce hurlement. Oh, mais c'est rien du tout ça. Bon, je vais l'envoyer faire un petit peu de mixologie parce qu'elle est pas trop fatiguée non plus. Et louve, qu'est-ce qu'elle fait? Jouer sous la pluie. C'est trop mignon. J'aime trop. Voilà, lui, il mange sa petite viande là. Monty s'est fait asperger. J'en peux plus de Monty, je vous jure, avec ses moufettes là. Là, je suis en furie par contre. Est-ce que je peux venir le calmer? Toujours pas. C'est une action que je peux pas débloquer pour l'instant. Ok, Louf s'est levée en premier. Elle est triste et elle est tendue et elle est embarrassée. Elle a les pires émotions ever. Il y a des trucs à récolter là. Bon, on le fera après avec Reyna. On va l'envoyer chasser un petit peu de la nourriture. Ce serait bien qu'on se fasse un petit peu d'argent là, ça fait longtemps. Mais bon, avec les émotions de Louf là, on va faire une toile colérique. Allez, si ça peut la détendre un petit peu parce qu'elle est vraiment dans le mal là. Elle est vraiment vraiment pas bien. Et nous on a besoin d'argent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'argent. Tu vas tout récolter. Il y a rien à arroser sinon à part ça. Il y a juste des récoltes à faire. Ok ok. Oh il fait chaud. Elle a mis sa tenue d'été du coup. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu. Adam est revenu avec de la viande j'espère. Oui super. Ce serait bien qu'on aille au niveau du collectif de la lune. Si on va aller au collectif de la lune. On va partager des expériences. Bruit fort. Ah oui elle aime bien la télé mais en même temps elle aime pas le bruit donc bon. Camarade de meute volontaire. Adam hurle de joie en sachant qu'il respecte les valeurs de sa meute. Est-ce que quelqu'un sait vraiment de quoi est faite la lune? Cela pourrait être du fromage. Pourquoi écarter cette possibilité? Après tout, je suis d'accord, hein. Écoutez, les meutes sont un fantastique moyen de s'intégrer à la communauté des loups-garous. J'apprécie que nous encourageons la gentillesse et l'accueil de tous les Sims. Déjà, il va aller aux toilettes. Il va consulter les ressources pour voir s'il peut pas prendre quelque chose. Ce serait bien qu'on aille chez les crocs sauvages, nous, pour les embêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un moyen de locomotion. Ok, alors il y a du saumon, des livres... on va prendre ce bouquin là, comme ça on va le donner à Reyna après. Ça fait quoi si j'envoie du coup notre petit Adam dans les tunnels? Est-ce qu'il débloque plus de trucs que Reyna vu qu'il a un niveau plus élevé? Oula, elle est malade, regardez son corps, elle est toute griffée, faudra que j'achète des médicaments. Alors loup-garou, intimidation féroce, une odeur sombre. Soudain, une étrange odeur sort de quelque part dans les tunnels. Au début, on dirait une odeur de décomposition, puis de fer peut-être. Plus Adam sent cette odeur, plus elle devient mystérieuse et revigorante. C'est dégueulasse, on va suivre l'odeur. Oh, attendez, on peut... atterrir ici, à Forgotten Hollow, en passant par les tunnels. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est beaucoup trop stylé. Venez, on va faire morsure maudite si j'ai envie. J'ai jamais fait ça, écoutez, puisque je suis là, autant le faire. Hein, Mais c'est trop stylé, j'adore. Je suis trop fan de ce truc. Bon, on va prendre le contrôle de Reyna du coup, parce que bah, au final, je suis partie de ce que j'étais en train de faire. Intimidation féroce, on va continuer. Il faudrait que Adam revienne par contre, mais c'est... Oh, j'adore l'interaction que ça a fait. Oh, je suis trop fan. Bon, il est toujours pas là, Jacob? Ah bah sinon, je peux l'inviter directement. Inviter à venir sur le terrain actuel. Jacob fait déjà autre chose. Super. Bon, bah ce sera pour une prochaine. J'augmente un petit peu ma jauge, hein, vous m'excuserez. Est-ce que ça marche même? La dernière fois, ça marchait, mais est-ce que c'est toujours le cas? Oui, ça marche. Après, ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé sur un terrain communautaire de la ville de Moonwood Mill. Je pense que ce serait intéressant. Vous savez, l'espèce de bibliothèque, là, je crois qu'il y a une bibliothèque. On va y aller avec Reyna. On va laisser Louvre ici pour l'instant. Après, il y a le bar aussi, c'est vrai. Mais la bibliothèque, j'y suis jamais allée, je crois, dans le let's play, hein. Il me semble, hein. Je suis allée dans la vidéo test du pack, mais pas dans le let's play. Alors nous, on a un petit creux. Est-ce que je peux pas dévorer? Ouais, je peux dévorer. On va dévorer un truc. Investir dans une combine légale pour gagner de l'argent. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie d'essayer. Est-ce que ça va combler ma faim de faire ça, vous pensez? Oui, ça comble ma faim. C'est génial. Bon, par contre, l'objet disparaît après. Merci pour votre soutien. Combien aimeriez-vous investir? Ah, oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça ici. Entraînement. On va le faire s'entraîner un petit peu, tiens. On va venir briser des trucs.
puisqu'après tout, on n'est pas chez nous, donc on peut se faire plaisir. Il est trop stylé, il fait du sport en étant loup-garou, j'aime trop. Intimidation féroce, je vais me défouler ici, moi, je vais me défouler vraiment. Rena a fait tellement peur. Ah oui, c'est vrai qu'on peut gagner de l'argent en faisant ça en plus, c'est trop insane. Là, on a le bibliothécaire, j'ai envie de lui faire intimidation féroce à lui aussi, ça augmente ma jauge en plus. On va aller griffer le fauteuil. Rena doit sortir tout de suite. Oulala, qu'est-ce que tu fais toi? Trouver un correspondant, mais quoi? Mais Adam, tu fais quoi en fait? J'ai posté un message sur le forum des correspondants. Ok, si ça te fait plaisir. On va aller griffer ça, on va aller griffer ça. Et une fois qu'elle sera en furie, justement, j'aimerais bien éviter qu'elle fasse ça. Pour voir si elle peut enfin débloquer cette transformation. Moi, je veux en fait. Bienvenue sur la pince sociale. Mais Adam, mais qu'est-ce que tu fais? Adam, pendant ce temps, il devient influenceur. C'est bon, je suis en furie. Donc maintenant que je suis en furie, je vais justement essayer d'éviter de faire des trucs méchants. Bon, Adam, je vais l'envoyer rentrer parce qu'il commence un petit peu à avoir faim, tout ça, tout ça. Essaye de t'éloigner un petit peu des gens déjà. Ok, maintenant, on va tenter de reprendre le contrôle. Ça y est, j'ai enfin débloqué la transformation. Rena a appris à se transformer quand bon lui semble. Alléluia, ça fait 6 épisodes que je suis dessus. Et j'ai enfin réussi, sachant que dans une partie perso, enfin une partie où j'avais fait des tests, dès la première fois où elle avait repris le contrôle, ça avait marché. Hein. Mais là, comme c'est ma vraie partie, de suite, ça marche plus. Je suis trop contente. Donc du coup, bon, elle est pas très bien, mais maintenant, je peux me transformer quand je veux. C'est trop bien. Donc c'est-à-dire que, admettons, là, je me transforme. Si je clique sur Adam, ah, ça y est, je peux faire des trucs. Je peux faire des trucs. Attendez, mais j'ai trop envie d'essayer de faire un truc. S'entraîner au combat sur le terrain d'entraînement. J'ai vraiment envie de faire ça. Alors, s'entraîner au combat. J'ai hâte de les voir s'entraîner. Parce qu'en plus, elle a vraiment une petite aversion pour lui, légère. Donc ça me fait un peu peur quand même. Ça augmente la fitness de faire ça. Je suppose que ça augmente ça, j'espère. Hein. Sinon, c'est triste. D'ailleurs, j'ai un nouveau point. Je trouve ça tellement stylé. J'adore. Oh, vous avez vu la patate qu'elle lui a mis? Oh, c'est cute la fin. Et oui, ça augmente mon truc. Marquer son territoire. Du coup, je peux prendre un nouveau truc, moi. Odorat amélioré, ça me tente bien. Super entraînement au combat. Cela a été tumultueux, mais sans difficulté majeure. Rena a plutôt confiance en ses compétences au combat, après un entraînement amical avec un autre lycanthrope. Du coup, là, ça m'a validé ça, et après, il faudra qu'on aille battre Greg. Défié au tir à la corde. Bon, on va rentrer. Vous m'excuserez, mais je vais juste tricher sur un truc. Voilà, je les ai téléportés. Je les ai téléportés, clairement. Donc, on va revenir à la normalité. Et toi aussi, tu vas revenir à la normalité. C'est quoi cette tenue, Adam? Je t'ai jamais fait cette tenue. Tu vas aller prendre des restes, Rena. Louve, elle va aller remplir la gamelle. Par contre, moi, j'ai presque plus de plaques de... J'ai presque plus de packs de plasma. Toi, une fois que tu auras fini de manger, tu iras te laver. Rena, j'aimerais bien qu'elle fasse un petit peu de la mixologie juste avant d'aller dormir. Elle est très heureuse. Elle est aux anges, là, littéralement. Elle est combien en mixologie? Voilà, niveau 3. Je voulais juste qu'elle atteigne le niveau 3, en fait, tout simplement. Alors, je vais la faire venir ici. J'aimerais bien que tu lises ce bouquin. C'est bon, t'as fini? Vendre un collectionneur. Super. Bon, je vais acheter des graines de plasma fruits. Oula, une graine, 300 simflouzes. Eh, mais j'ai des points, là. Oh, je veux ça. Étudiante surnaturelle. En Rena, tu continueras ton bouquin plus tard. Je vous propose donc qu'on s'arrête ici pour cet épisode. Je suis vraiment trop contente d'avoir réussi à débloquer la transformation. On va pouvoir avancer plus vite. Et, eh bien, ce n'est que bénéfique pour le let's play. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait toujours très 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 plaisir. En attendant, moi je vous embrasse, je vous laisse avec le machinima de fin et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!